Merci. Juste après. Ben, ce prix vient à point nommé. Ce prix nous montre quelque part que ce que nous faisons est apprécié quelque part. Et ce prix va booster les efforts que le SDAO déploie déjà sur le territoire de Côte d'Ivoire, notamment en construisant des écoles, des centres de santé, addiction à l'eau potable, l'autonomisation de la femme, aide aux enfants, femmes démunies. Nos réalisations. Tout récemment, nous avons fait venir 70 ambulances. Nous avons construit des écoles, des centres de santé tout équipés. Nous avons fait venir en 2019 plus de 28 conteneurs remplis de matériels médicaux et qui ont été distribués gratuitement aux populations nécessiteuses. Nous avons octroyé 200 millions aux femmes réfugiées vivant en Côte d'Ivoire. Et tout ceci, je pense, ont contribué à la sélection. Avec ces prix, en 2020, nous allons redoubler d'efforts pour faire davantage. Et c'est une manière pour nous d'accompagner la politique sociale de l'État de Côte d'Ivoire. Au-delà de ma modeste personne, ce prix honore toute la structure que je dirige, à savoir l'Agence nationale de gestion des déchets. Il honore le ministère de la Salubrité et de l'Assainissement et Madame le ministre Anne-Désirée Oloto, et il honore toute la Côte d'Ivoire. Donc c'est bien qu'on s'attarde sur notre secteur et qu'on voit que des efforts sont faits, parce que malheureusement notre secteur est, je dirais, ingrat. C'est quand ça ne va pas qu'on se rend compte qu'il y a des problèmes, mais quand tout va bien, ça relève de la normalité. Donc c'est vraiment bien que l'Observatoire ait pu s'arrêter sur notre secteur et donc évaluer ce qui est en train d'être fait. Nous allons donc nous atteler à faire mieux. Merci à tous les organisateurs qui ont effectivement eu cette gentillesse et cette amabilité de nous inviter aujourd'hui en Côte d'Ivoire pour recevoir ce prix d'une des meilleures entreprises du Burkina Faso. Le groupe Sisima, c'est un conglomérat d'entreprises composé de l'hôtel Sisima à Bobo-Dioulasso, qui est la deuxième ville du Burkina. C'est le plus grand hôtel de cette ville. Nous avons mis en place il y a 2 ans une compagnie appelée Litis Express, qui est aujourd'hui l'une des meilleures compagnies de transport en termes de services. Et au-delà de ça, nous avons aussi d'autres entreprises qui évoluent dans le domaine de l'automobile et dans le domaine de différents services au Burkina. Aujourd'hui, c'est un groupe qui emploie direct pratiquement 350 personnes, ce qui est quand même important dans le contexte que nous connaissons dans nos pays. Et au-delà de ces emplois qui sont créés, c'est de la valeur ajoutée que nous apportons au métier. Quand on reçoit un prix comme ça, la fierté légitime, c'est de dire d'abord comment on fait pour arriver à ça. On arrive à ça par le travail, on arrive à ce genre de prix, à ce genre de récompense, par une certaine abnégation, une persévérance. Mais au-delà de cela, c'est déjà avoir les collaborateurs qu'il faut, à qui je dédie d'avoir ce prix. Parce que quand vous n'avez pas des bons collaborateurs, si vous n'êtes pas bien entouré, vous ne pouvez pas arriver à des résultats. Donc c'est de dire merci à tous mes collaborateurs, à ma famille, et qui m'a toujours soutenu dans cette activité, parce qu'aujourd'hui notre entreprise a 10 ans et on est tellement heureux d'être aujourd'hui en Côte d'Ivoire, de recevoir ce prix, parce qu'on sait aussi que dans la sous-région il y a beaucoup d'entreprises. Si nous avons été choisis, on pense que c'est sur la base de critères sélectifs assez exigeants, et nous pouvons à ce titre dire merci au président d'organisation, à toute l'équipe qui a effectivement organisé ce prix aujourd'hui à l'hôtel Pullman. Le premier secret, c'est la persévérance. Au-delà d'avoir des projets, d'avoir une vision, il faut que le promoteur, le porteur du projet soit persévérant. Parce qu'aujourd'hui, quand vous créez une entreprise, tout le monde vous dit que ça ne marchera pas. Tout le monde vous dit que ce n'est pas la bonne idée. Mais quand vous croyez en votre idée et que vous pensez que c'est la bonne, il faut persévérer. Nous avons commencé Elitis, je suis avec un de mes frères ici, M. Badiel. Quand on a commencé Elitis il y a 2 ans, personne ne croyait en nous. Au bout de 2 ans, on a pratiquement plus de 250 000 personnes que nous avons transportées. L'hôtel Sisima, c'est la deuxième ville de Burkina. Généralement, les gens n'investissent pas dans les deuxièmes villes. Les investissements se font toujours dans la capitale. Nous, on est allé dans la deuxième ville. Moi, j'y ai cru. On a investi des milliards dans cette ville. Aujourd'hui, les résultats sont probants. Au-delà de ça, ce qu'on peut dire pour la jeunesse, c'est le risque. Il faut prendre du risque.
tant que vous ne prenez pas de risque, vous êtes sûr que ça ne peut pas marcher. Qu'est-ce qui se passe ? Aujourd'hui, quand vous regardez autour de vous, on attend tout de tout le monde. On attend de l'État, on attend des banques, on attend de nos parents. Non, la responsabilité, elle doit être d'abord à nous. Et tant que nous ne serons pas responsables, en tant que chef d'entreprise, il va être difficile à ce qu'on puisse avancer. Et personne ne va venir construire nos pays pour nous. C'est nous-mêmes qui devons construire nos pays. Et c'est pour ça, moi, en tant que jeune Burkinabé, jeune Africain, je pense que le premier conseil qu'on peut donner à tout jeune, c'est que l'entrepreneuriat est rentable, mais il faut du travail. Et il faut du travail acharné. Il faut déjà que, personnellement, on apprenne à se mettre au service. Au service de cause, au service de population, je veux dire au service d'un nombre de personnes plus grand. On ne réussit pas seul dans une aventure. La vie humaine n'est pas seule. C'est une aventure collective. Quand vous avez la chance qu'on vous confie la destinée d'une organisation ou d'accomplir quelque chose, il faut tout faire pour le faire de telle sorte que ce soit mieux que ce que vous avez trouvé et que vous laissiez quelque chose qui va permettre à ceux qui arrivent de pouvoir rebondir, aller plus loin. C'est comme ça qu'on bâtit un monde qui est meilleur. Et je pense à ce que nos dévanciers, dans beaucoup de cas où les succès ont porté, ont fait. Ça permet de mettre en confiance tous les acteurs qui animent le secteur public, qu'il y a un regard extérieur. Et ce regard extérieur, quand il reconnaît qu'il y a quelque chose qui a été fait, ça vous permet de vous engager davantage. Donc le conseil que je vais donner, c'est tous les Ivoiriens ou toutes les Ivoiriennes qui ont la possibilité d'être à un niveau de décision, de s'investir et de pouvoir mériter la confiance qu'on leur a accordée, parce que chacun, dans son engagement, apportera la contribution finale que nous recherchons, qui est le développement de notre pays. Ce soir, on vient de recevoir un prix. Ce prix, c'est plus la société et tous ses collaborateurs qui l'ont reçu plutôt que ma personne. Je remercie les organisateurs, enfin le jury, qui a bien voulu nous accorder cette distinction. On essaie de travailler tous les jours pour satisfaire nos clientèles. C'est pas toujours évident parce que les clients sont divers et variés, chacun a ses exigences. Il faut pouvoir satisfaire chacune des exigences, donc on se bat, voilà, c'est le travail. Logis est une entreprise de transport et de logistique. On s'occupe essentiellement de logistique, de transport de matières premières pour l'approvisionnement des usines et puis de transport de produits finis vers les centres de distribution pour certains clients. Il y a pour certains clients pour qui on fait les deux. On fait également des transports de conteneurs, en import, en export. Donc on est essentiellement dans le transport. J'encourage les jeunes, la jeunesse à entreprendre et à investir. Mais surtout quand on investit, il faut se dire qu'on a, on a toujours les poches vides. C'est-à-dire qu'il faut toujours réinvestir tout ce qu'on gagne, réinvestir, jusqu'à ce qu'on puisse atteindre une certaine taille avant de penser à manger des bénéfices. Donc, il ne faut pas confondre chiffre d'affaires et bénéfices. Il faut travailler énormément pour satisfaire les clients. Ce prix est un grand honneur pour moi, pour ma famille, pour la délégation burkinabé qui m'ont accompagné. Et j'ai dit ce prix à l'endroit aussi de mon ambassadeur du Burkina Faso en Côte d'Ivoire en mission, éventuellement à toute la jeunesse ivoirienne et à toute la jeunesse burkinabé, éventuellement pour dire toute l'Afrique. Osons inventer l'avenir, c'est possible. J'en ai osé. Plus de 16 ans de carrière, aujourd'hui, je suis fier et je dédie ces prix à l'endroit de toute la jeunesse africaine au nom de la Côte d'Ivoire. Ce que je peux dire que j'ai osé est que vous connaissez bien que le domaine des CIRA est un métier laissé pendant longtemps. J'ai décidé d'organiser ce domaine afin que ce domaine soit vraiment très précieux. En d'abord commençant à lutter contre les salons qui sont sales, les salons en cuir. Tout le monde connaît CIRA, les chaussures, certes. J'ai d'abord dit non, le blanc s'il crée les salons en cuir parce qu'il y a un secret. J'ai cherché à comprendre. Cela, dans la persévérance du travail, m'a amené d'aller faire vraiment les formations typiques dans l'histoire du cuir et son origine en France, en Allemagne, en Belgique, les techniques de base. Comment on fait les soins des salons en cuir, comment on fait les soins des avions en cuir, comment on fait les soins des voitures internes cuir. Donc, raison pour laquelle je peux dire que j'en ai osé. Parce qu'aujourd'hui, je vous dis que je ne peux pas vous dire mes chefs d'affaires par an, c'est des millions. Parce que s'il y a un salon à 100 000, à 150 000, honnêtement, c'est de l'argent. Les gens n'y croyaient pas. Donc voilà comment aujourd'hui j'ai été dédié en disant que non, je ne m'arrête pas là, je vais former les jeunes et les femmes. J'ai lancé un projet, former 100 premières femmes sérieuses au Burkina, je l'ai faite
Et actuellement, je suis à l'université avec 1000 jeunes, 1000 emplois. Donc, j'ai osé, c'est là qui a valu mon prix en Côte d'Ivoire, qui m'élève au rang international, au leader africain. J'interpelle toute la jeunesse africaine, nous n'avons encore osé, mais dans la main, nous pouvons changer l'Afrique. Je crois toujours à ça, parce que j'ai dit, je mettrai en place un mouvement, osons inventer, nous mouvons, nous croyons à l'Afrique. Parce que l'Afrique a des ressources. Nous avons tout. En Europe, il n'y a rien. J'en ai fait le tour. Ils n'ont pas l'or, ils n'ont pas l'argent, ils n'ont rien. Ils ont vraiment des idées. Donc nous pouvons développer les idées avec les ressources que nous avons éventuellement pour changer l'Afrique. Donc j'interpelle à toutes les jeunes, croyons ensemble et aux autorités éventuellement de nous accompagner. Car nous, la jeunesse qui y croit, ensemble nous pouvons changer l'Afrique, de mettre la politique à côté. Parce que la politique, elle est passagère. Mais notre développement, elle est éternel pour la positive future. Donc j'interpelle tout le monde, mets dans la main avec les journalistes, aidez-nous afin que vraiment l'Afrique qui devient un continent le plus riche. Le prochain vraiment continent le plus riche du monde sera l'Afrique. L'Afrique aura la solution de tout. J'y crois à ça.